Celle-ci les a trompés. Kotal Kahn a conservé l'amulette. Tu peux lui reprendre ? Il refuse catégoriquement de la confier à quiconque. Ta présence auprès du trône de l'Outre-Monde se révèle aujourd'hui fort utile, Tevora. Ils n'ont jamais soupçonné l'une des leurs d'être la disciple de notre Seigneur. Celle-ci vit pour servir Shinnok. Je suis content de toi. Apporte-moi l'amulette. Sur le champ, Quan Chi. Maître. Des nouvelles de l'autre monde. Shinnok sera bientôt libre. Rejoignons ma forteresse. Il y a un problème ? Il y a deux problèmes. Ta femme m'a dit où tu te trouvais. Vous avez bien discuté, Vera et toi ? Comme toujours. C'est un national ? J'en ai jamais vu un comme... Tu n'es pas venu parler de machines agricoles. Ok. J'irai droit au but. J'ai besoin de ton aide. Ah oui. Je sais, j'ai aucun droit de... Tu savais ce que je voulais. Jackie a fait son choix. Elle est venue me voir. Je sais. Écoute, je sais pourquoi tu voulais pas qu'elle s'engage. Et pourquoi t'es parti. J'avoue, si je devais vivre avec le souvenir d'avoir été un sbire de Quan Chi, je me serais tiré une balle depuis belle lurette. Tu connais Vera. Elle ne m'aurait jamais laissé faire. Bon, alors t'as besoin de moi pourquoi? Les réfugiés de l'Outre-Monde? Pire. L'amulette de Shinnok, c'est Milena qui l'a. Merde. Et d'après ce que nous a dit Sarena, Quan Chi a refait surface dans le Nether. Le mec se pointe au bout de 25 ans, au même moment que l'amulette de Shinnok. C'est tout sauf une coïncidence. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, pour tes connaissances sur Quan Chi. Tu serais là en tant qu'observateur, pas sur le terrain. Cage. Jax. Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais voir si peut-être... Tu pourrais faire pencher la balance ? Parce que t'as été vachement utile la dernière fois. Au moins j'aurais essayé, non ? On a besoin de toi, Jax, pour capturer Quan Chi. Je donne pas cher de notre peau s'il récupère l'amulette. Et Jackie, c'est quoi son rôle là-dedans ? L'Outre-Monde. Son équipe cherche à reprendre l'amulette. T'inquiète pas. Il devrait pas tarder à nous confirmer que c'est fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils vont nous tuer ? Non, sinon ils l'auraient déjà fait. Sauf si Kotal Kahn a l'intention de nous inviter au Colisée. S'il ne nous tue pas, ma mère s'en chargera. Moi, en tout cas. Dur d'être la fille du général ? T'imagines même pas. Oh, mais si. L'un de mes ancêtres ou quoi, je sais plus lequel, a battu Shang Tsung. Et a sauvé la Terre. Je sais pas combien de fois j'ai dû écouter cette histoire au repas de famille. C'était il y a 600 ans. Et pourtant, on pourrait croire que c'était hier. T'as la pression, quoi. Je m'entraîne depuis toujours.
Je peux me sortir de toutes les situations. Mais j'ai jamais l'impression d'être à la hauteur. Au moins, t'as grandi avec des gens qui croyaient en toi. Je vous croyais super proche, toi et ton père. Ouais, mais seulement depuis qu'il est revenu. Ça, je connais. Comment t'as vécu ça, Jackie? D'avoir un ex-revenant pour père? Jean. Je rigole pas. Ça a pas dû être facile. On va dire qu'il était un peu trop protecteur. Quand j'ai intégré les FS, M. Cage a tenu à l'annoncer lui-même à mon père. Il s'est dit que ça passerait mieux. Ce jour-là, je l'oublierai jamais. Mon père est rentré avec la mâchoire brisée. Ok, j'ai trouvé. T'as trouvé quoi exactement? T'inquiète. Écartez-vous des grilles! Comment t'as fait ça? J'ai submergé ses sens. Ça marche qu'à faible distance. Ça a ses avantages d'être le fils d'un télépathe. J'ai pas toujours eu ce sentiment. Takeshi Takeda. Les événements de Warzone. Maintenant, te voilà, Chuchin. C'est un honneur, Maître Asashi. En tant que Chuchin, comment puis-je servir le clan? Ton avenir n'est pas avec les Shira et Ryu. Mais le clan est ma famille. Quand je t'ai accueilli, j'ai promis à ton père... Je n'ai pas de père. Tu en as un. Et il est fier de toi. Ta progression est fulgurante. Tu savais qu'il viendrait, et tu ne m'as rien dit. En effet, car je me doutais de ta réaction. Scorpion. Takeda, ton père n'est pas ton ennemi. 10 ans. Aucune visite, rien. Tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. J'avais 8 ans. Ma mère venait de mourir. Et voilà que tu reviens, en pensant que tu peux jouer au père fier de son fils. Fils, je... Va en enfer! Je ne suis pas ton fils! Bon, globe, le mec en jaune là qu'on vient juste de soi-disant battre, c'était du coup Scorpion. Oh. Oh, ça va être chaud de parler. Hein. Mais, comment ça s'appelle? L'ancêtre que. Kunjung là, machin, je sais pas quoi là. L'ancêtre qui a battu du coup, je sais plus trop qui au Mortal Kombat, c'était. Kun Lao. Le poteau de... Comment ça s'appelle? Oh, le chien. Oh, il m'a défoncé.
C'était le pote de Liu Kang, Maimon. Maimon, mon pote, le meilleur, le best. Ah, oh, c'est chaud, je connais absolument pas les techniques. Lame, bah, X. Ah, bah, devant. Allez quoi. Non monsieur, non monsieur. Je vais faire tellement Kenshi que Takeda, wesh. Après j'ai commencé plus à jouer Kenshi que Takeda avant. Et après Takeda il a un bon set quand tu le joues en fight versus fight, parce que tu peux choisir les sets des personnes. Je ne suis pas ton fils. Là ce qui est offert c'est un peu chiant. Vous voyez pourquoi il est MVP le Kenshi quoi. Ouais, faut jouer avec le futur hein, de la voiture. Allez, qu'est-ce que tu racontes le futur de la voiture là. Faut jouer avec les épées en fait, balancement d'épée, des trucs comme ça et tout. Même ça, genre le déchaînement de lame, etc. Je sais même plus faire. Rafale de points. Hein. Bleh, bleh, bleh. Ok, 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 calme, on va faire le finisher, on va essayer de le faire pendant. Quoi, j'ai pas accès au finisher? Bon bah j'avais pas le finisher, dommage. J'essaie de le faire mais il changeait de forme. Relève-toi. Je veux te faire mordre la poussière à nouveau. Il est pas content le Takeda, assez. Kenshi ne t'a pas abandonné. Il t'a amené ici pour te protéger. Me protéger de quoi? De ceux qui ont tué ta mère. Elle est morte dans un accident. Ça, c'est ce que j'ai demandé à Maître Asashi de te dire. En réalité... elle a été tuée par les assassins du Dragon Rouge. J'étais leur cible. Elle a été leur victime. Espèce d'enfoiré, c'était ta faute. Ton père a voué sa vie à combattre des barbares comme les membres du Dragon Rouge. Ce sont eux qui n'ont aucun honneur. Tu n'aurais pas dû me cacher la vérité. Tu serais parti à leur recherche sans y être préparé. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Maître Asashi t'a transformé en excellent guerrier. Il est temps désormais de parfaire ta formation. Comment tu as fait ça? Nous sommes télépathes. C'est de famille. Je peux lire les pensées? Grâce à l'entraînement, nous ferons éclore ton potentiel. Et nous irons ensuite traquer le Dragon Rouge. Ensemble. Papa! C'est l'œuvre de Devora. Ça ne fait aucun doute. Elle seule peut engendrer de telles blessures. Cette Devora est pleine de surprises. Reste à savoir si elle travaille vraiment seule. Qu'est-ce qu'il y a? Dans les mains. Merde, on est repéré. Les amis, formation à losange. Takeda, t'es devant. Jackie, tu couvres l'arrière. Kung Jin, le haut. Compris. Les terriens. Devora les a libérés. Anategasu!
Le salaud. Merde. Que ça? Comment j'ai fait rater ça, wesh? Par les cuts au niveau des cuts, c'est un peu chiant. Là. Là, ça fait des... Juste un mini freeze, c'est un peu chiant, mais bon, vas-y au calme. Oh là là! Fuck reptile. Merde! Attendez, c'est plus les mêmes techniques. Là, il a un fouet, c'est pas pareil. Oh là là. Là, il ralentit le temps pour moi. Genre. Enfin, moi, je suis lent, genre, si vous voulez. Oh là, c'est tellement chiant. C'est ça qui est relou quand il te met des trucs dans le passé, c'est que, bon après forcément c'est mieux d'apprendre toutes les techniques, tu vois. Enfin, c'est vraiment des techniques en plus, hein. Non, abusé. Mais attends, elle est où l'attaque? Ah. Oh, le mec, il m'a mis un truc. Oh là 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 là. Quoi? Mais j'ai... Quoi? Je me suis protégé. Quoi? C'est quoi ce jeu? Je me suis protégé. Oh, le seum. Bim, allez ça. Allez monsieur quoi. Quoi? Genre il a fait ça, hein. Un vieux changement de position et il m'a enculé. Regarde sa vie. Mais quoi? Non mais attends, d'où son point passe avant moi quoi. Oh. Ah. Ah. Mais fais celui-là. Mais non mais... Mec, je suis en PLS total. Le problème, c'est que je me dois pas de perdre, parce que déjà que les combats sont assez longs. J'ai les cinématiques en plus qui sont... Putain, what the fuck. J'ai les cinématiques qui sont assez longues. Encore heureux.
vraiment, j'ai fait des techniques, elle veut pas le sortir. Hein. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure, genre. Attendez. Faut que je sorte de l'extase et que. Pourquoi j'arrive pas à faire mon ulti? Bon bah j'ai pas accès à l'ulti, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à faire les. Le fatalité. Normalement le fatality tu le. Ah non lui c'est différent, c'est maintenir RT. Maintenir RTX. Merde. C'est quoi la touche RT, je l'ai pas même. Putain il a un fatality différent. Chien. Un de moins, plus que deux. Oh, dommage. Ah c'était le premier combat encore. Une fois rentré, faut que tu m'apprennes ce truc. Ok, occupe-toi d'Ermac. J'ai trouvé. Tu crois pouvoir me battre seul? Tu es courageux ou complètement fou? La meilleure attaque, c'est le flingue. Oh, Joker, là, tu vas te calmer. Là. C'est chelou le combo, genre il va vraiment pas gérer. Hein. Je veux pas sauter. Aïe. Tiens, descendre, ouais. Oh là là, ce seum. Trop peu, trop tard. Blesse de nouveau trou. Mais j'appuie sur X. Maintenir. Moyen. Oh, essaie de pas perdre, hein. Je voulais faire le fatality, j'arrive pas, mec. Courageux et fou, et vivant. Pas compris. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Tous ces esprits emprisonnés. Nous vivons pour servir, liés par la magie de Shao Kahn. Le chaos et les voix. Nous sommes innombrables. Tu es seul. Ton pouvoir n'est rien face à nous. Shao Kahn. Je voulais prendre l'humain là, qui arrête pas de sauter sur la tête. Il me fait tellement mal, vous avez vu un coup ce qu'il m'a mis. Mais c'est overflué, genre. Genre il saute vers l'eau, il réapparaît vers le bas. Genre. Ah, ce qui me met comme dégâts, apparemment, c'est abusé. Genre. Quoi? Quoi? Super.
ce seum. Tu es seul. Ton pouvoir n'est rien face à nous. Mais gros, regarde jusqu'à où il peut nous prendre. Non mais... Par contre, c'est over toxique, hein, le truc. Que le mec se TP et arrive de l'autre côté et puisse te taper et tout. Sans que tu puisses rien faire du tout, c'est archi chiant. J'ai des réflexes de fou. J'arrive vraiment pas à faire ce que le truc là. Je peux même lancer des kunai, frère. C'est le truc, c'est... Voilà, c'est celui-là. Nous allons te tuer. Mais je peux pas jouer, c'est pas possible. Il m'a enchaîné trois fois la même attaque, il m'a explosé avec ça, genre. Voilà, viens, on va... Viens, on spam, vas-y, viens, on spam, on va faire la même chose. Regarde, gameplay, c'est fou, hein. Je me suis protégé aussi, là, le jeu, par contre, ça a pu. Space dans le vent. Oh, j'ai envie de crève. Pour une fois que je l'ai réussi, je l'ai raté. J'en ai marre de l'autre monde. Je comprends pourquoi mon père a tout lâché. Il faut qu'on trouve Devora, qu'on prenne l'amulette. Allons-y, ils vont vite s'en remettre. Après, j'aurai Jackie Bridge. Devora. Et les Terriens? Elle a volé l'amulette et les a aidés à s'échapper. Elle nous a trahis pour le dieu du tonnerre. Trahis. Tu me déçois, Devora. Prévenez les légions. Nous partons pour la terre. Nous allons récupérer l'amulette de ce vil Raiden. Bon voilà, si vous voulez, il est possédé par le pouvoir. On est tous entiers, et personne ne nous suit. Vous avez pu voir par où Devora est partie? On pense qu'elle se dirige vers la mer de sang. Fais chier. Papa? Elle rejoint Quan Chi, par ici. Il y a un portail secret près de la mer de sang. Quan Chi l'avait fait construire quand on s'apprêtait à envahir l'Outre-Monde. Super. Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais dans le Nether? C'est toi qui cherches à me surprotéger maintenant? Chapter rejects you! Et c'est fini. Du coup, bah, fin de l'épisode 8. Ou 9. 8, je dirais 8. 8, 8, 8 de Takeda Kenshi. Ou Kenshi Takeda, je sais plus, bref. Du coup, je vous laisserai lâcher un petit like, thank you, abonnez-vous et activez la cloche, même si je galère et tout. Enfin, t'as fini quand même, c'est chaud. Je suis vraiment naze. Hein. Bon, après, couplé aux cinématiques, on va dire que je fais 15 minutes de fight où je me fais défoncer la gueule. On va dire que c'est ça. Bref, abonnez-vous, lâchez un like, activez la petite cloche et merci beaucoup.